Acclamez-vous vous-même. Maintenant, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de papa, votre enfant, vous bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 71e semaine de l'année 2023. Dis à ton frère et ma soeur, Dieu m'a protégé. Semaine, évite les mauvaises pensées. Somme 3, parce que tes ennemis sont très nombreux. Somme 4, Seigneur, aie pitié de moi. Somme 5, Dieu, écoute ma voix. Somme 6, l'Éternel, ne me prie pas dans ta colère. Somme 7, je cherche en toi mon refuge. Somme 8, qui représente la 8e semaine, l'Éternel est mon Seigneur. Somme 9, je rencontrerai toujours les miracles et les prodiges de l'Éternel. Somme 10, pourquoi, Éternel, t'éloignes-tu de moi? À cause de mes péchés, pardonne-les-moi. Somme 11, la 11e semaine, tu disais à ton Dieu, Dieu aime la justice. Or, si Dieu aime la justice, ne reste pas dans l'injustice. Somme 12, tu disais à la 12e semaine de l'année 2023, on s'est dit des mensonges. Mais moi, Fils de l'Éternel, ma bouche est pleine de vérité. Alléluia! Alléluia! Tu disais en 2023, à la 14e semaine, il n'y a pas de Dieu qui dit l'Éternel, parce que Dieu n'a pas fait de miracle dans ta vie. Tu crois dans ton cœur que Dieu n'existait pas.
et tu as quitté l'église. Et tu as même fini panter les miracles de Dieu. Pitié! À la 15e semaine, qui reprend le psaume 15, tu disais, Dieu est la vérité, elle est dans mon cœur. Or, quand tu dis la vérité qui est dans ton cœur, à la 16e semaine, tu diras toujours, Dieu est mon Dieu. La foi commence à revenir. Oh, quand tu dors, tu dois prier à la 17e semaine. Tu dis, Éternel, écoute ma gratitude, écoute ma prière. Et tu dis à Dieu, Éternel, écoute tout ce que ma bouche va te donner pour que tu puisses me bénir. Lorsqu'il finit de te bénir après ta prière, à la 18e semaine, tu dis, Dieu m'a béni, l'Éternel, je t'aime. Oh, tu dis que l'Éternel, je t'aime. 19 semaines, tu disais, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Parce que, au 21e semaine, tu dis, l'Éternel t'exaucera au jour des difficultés. Amen. C'est pourquoi tu résides dans la maison de Dieu. 21e semaine, tu étais agonisant, tu étais désolé, mais tu as dit, Dieu, je t'ai demandé la vie et tu me donneras en abondance. Et comme tu lui as demandé cela, tu as dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, 22e, 3e semaine, l'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. 24e semaine de l'année 2023, tu disais, l'Éternel à la terre, et ce qu'elle va faire. Dieu élèvera, je l'aime mon Dieu, en toi mon refuge. 25e semaine, 26e, Dieu rend la justice à celui qui se confie en lui. Témoignage, lorsque tu as un problème en justice et que tu ne rends pas justice à l'Éternel, l'Éternel ne rendra jamais de justice à toi. Parce qu'il te manque de lire le psaume 26. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque des méchants s'avancent contre moi, et ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et qui tombent. À la fin du dernier semaine, tu dis Dieu, c'est à toi que je confie ma vie. Or, lorsque tu confies quelque chose à l'Éternel, c'est lui maintenant qui décide de ton désir. C'est pourquoi le Fils de Dieu rend toujours à Dieu sa gloire à la 29e semaine. Au 30e semaine, puisque tu es de la joie, tu dis, je chante à l'Éternel car il m'a élevé. Tu dis à ta soeur, Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé. Moi, Dieu m'a élevé. Ce même Dieu qui t'a élevé à la 31e semaine, tu dis que jamais je ne sois jamais confondu. Puisque Dieu t'a élevé, tu ne seras jamais confondu. Voici toute la prière que tu fais à la 31e semaine. Tu dis celui qui se confie à l'Éternel qui rend témoignage à Dieu. Est-ce que tu as une fois rendu témoignage à Dieu en 2023? Ha! Prends-toi, célèbre l'Éternel avec les chalumeaux. Ah bon, je rends gloire et je rends témoignage à la paroisse Mosnaï, la grâce de Dieu qui a une fraction de seconde. Ils ont des partenaires, ils ont de la musique, ils ont acclamé la paroisse. Tout ça, au 34e semaine, tu as rendu et tu béniras toujours l'Éternel pour que tu lui dises à la 35e semaine, Dieu, défends-moi. À la 36e, tu dis, la crainte de l'Éternel doit me saisir. La crainte de l'Éternel doit me saisir. Oh, quand la crainte de l'Éternel te saisit, regardez un peu, ça te saisit. Ça t'attrape. Et tu n'as pas fui.
mais ne dis pas, laisse-moi craindre l'Éternel, laisse-moi, car lorsque l'Éternel va te lâcher, les méchants auront envie de te tuer. Somme 37. Voici le désir des méchants qui s'abattent contre toi. Parce que tu as lutté avec la crainte de l'Éternel et tu es parti. C'est pourquoi lorsque l'Éternel céleste quitte l'église du Christ et du céleste, et je le conjure devant Dieu et devant les hommes, tu es comme un Gougodéi. Dites Gougodéi. C'est un russe. La Bambouéla. La Bambouéla. La mère d'une multitude, elle va prendre un vent, elle va remplir son vent des grains de maïs et plein de saleté. Elle va commencer à m'emporter, c'est-à-dire qu'elle va valer. Lorsque tu es chrétien céleste, sors ferme.
c'est un temps pour toi. Pour t'éprouver. Pour t'essayer. Pour avoir le moyen de ton audience par rapport à la prière. Par rapport à la bénédiction qui est derrière le bout du goût. C'est nos risques. Ça y est, derrière la maison, ça a dit tout à l'heure. Il suffit un peu d'endurance, ta bénédiction est là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, c'est pourquoi l'Éternel est en train de verser. L'Éternel te dit, je bénis, puis je ne pécherai point. C'est-à-dire que lorsque tu as cette expérience, à la première semaine, tu dis que tu ne pécheras pas. Si je dois tout citer, on ne va pas quitter ici. Mais aujourd'hui, nous sommes au 51e semaine. Dites 51. Dis 51. Oh Dieu, aie pitié de moi de ta bonté. 51e semaine. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 30e, nous restons dans la période de la repentance. Nous acclamons le Seigneur. Dieu qui est d'or, Dieu qui est omniprésent, Dieu qui est omnipotent, Dieu qui est Dieu, et qui t'a dit que ce qu'il doit faire est là. C'est pourquoi dimanche prochain, dimanche prochain, c'est la 51e semaine, non? Dimanche prochain, c'est la fin de l'année. Dieu dit, je rends témoignage à mon Dieu car il va faire du bien. Demande à ça, où est ton témoignage? Où est le témoignage? Enfin, où est le témoignage? Quel 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 témoignage? Moi, j'ai un témoignage. Mais si je dois citer mes témoignages là, ça ne serait pas bon. Au cours de la semaine, on va citer les témoignages. Mais la Bible dit que. C'est pourquoi aujourd'hui, le terme d'aujourd'hui est où est mon témoignage? 51 semaines. Puisque tu t'es répondu, où est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Dis les bœufs. Ils sont les bœufs. Or, la lèpre est une maladie qui rend souhait la personne qui la porte. Donc les 10 étaient à l'écart. Ils n'étaient pas, ils étaient loin du camp. Et ils attendaient. Quand Jésus passait là, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, sois béni. Seigneur, comme il ne peut pas approcher là. Seigneur, 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 sois béni. Aie pitié de nous. Fille de David, fille du Pharaon, fille de l'homme, aie pitié de nous, regarde-nous, ça fait 20 ans qu'on est le peuple. Seigneur, 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 Jésus passe, Jésus continue, à cause de la foule, Jésus n'a pas attendu, mais Jésus rempli de la compassion spirituelle, il se retourna. Il dit, allez-y trouver le sanctificateur. Allez-y trouver le chargé de paroisse. Qu'il prie pour vous. 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 Même ils n'ont même pas atteint la paroisse monstrée, la grande irée. Ils sont arrivés à 10 mètres. Tous les lépreux ont trouvé la guérison. Au nom de Jésus.
Ils les ont aidés guéris. Et ils sont allés à la maison. Et ils sont partis dire à leur famille, je ne suis plus lépreux. Regarde-moi, je ne suis plus lépreux. Regarde-moi. Mango, je ne suis plus le peu. Majestapo, je ne suis plus le peu. Je ne suis plus le peu. Je ne suis plus le peu. Je suis comme toi et moi. Moi, je suis béni. Mais lorsque tu as dit ça à ton frère, la Bible dit, une seule personne, une seule personne. Oh, oh. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça me fait mal. Parmi les 10, une seule personne revient à Jésus pour dire merci. C'est là qu'il y a un problème. Verset 17 de la deuxième lecture, fais juste ça. Il y va. Jésus, Jésus, prenez la parole. Prenez la parole, il dit quoi? Dis. Les 10 n'ont-ils pas guéri? Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres? Et les 9 autres? Où ils sont-ils? Mm-hmm. Et continue. Ne s'est-il pas trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et Dieu, il est en témoignage à l'Éternel. Et puis il lui dit. Il dit quoi? Lève-toi! Lève-toi! Parce que. Attends. Non, Jésus. Quel mal qu'il a couru pour venir devant l'Éternel. Il s'est fait comme ça. Merci, Seigneur. Parce que tu m'as guéri. Parce que tu m'as lavé la paix. Merci, Seigneur. Moi et ma maison. Nous louerons l'Éternel jusqu'à la fin de notre vie. Voici ton témoignage. Jésus dit, lève-toi. Et dis-moi. Lui-ci. Mm-hmm. Lève-toi. Lève-toi. Va. Va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Oh donc, lorsqu'il a été guéri de sa lèpre, est-ce qu'il n'était pas encore sauvé? Non. C'est pourquoi lorsque Dieu vous guérit, vous enlève votre maladie. Tant que tu n'es pas reconnu en Dieu, ce que Dieu t'a fait. Ta maladie va revenir parce que tu n'es pas encore sauvé. La Bible là, elle est pleine de témoignages. Dieu m'a guéri. Oh, Jésus m'a guéri. C'est fini. Mais est-ce que tu es revenu pour dire que Dieu merci parce que tu m'as guéri pour que Dieu me donne la dernière bénédiction? Pourquoi de façon définitive que le mal qui t'a quitté ne revienne plus jamais? C'est là l'enseignement des dix lépreux. Mais frère, c'est là que Jésus. Où est ton témoignage? C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus, Benoît. Aujourd'hui, si tu n'as pas envoyé le don à Jésus, c'est que tu as en train de dire que pendant les 365 jours, Dieu ne t'a pas assisté. Je regarde le frère ange qui demande au frère, voilà l'enveloppe. Quand il sera content, il va prendre. Non! C'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? Dis à ta soeur, c'est pas ça, hein? Tu n'as pas l'enveloppe. Rebecca, tu n'as pas l'enveloppe. Voilà. Parce que dans les 52 semaines, 7 plus 2 est égal à 7. Ça fait les 7 jours de la semaine. Ça veut dire que les 52 semaines sont goupillées dans les 7 jours de la semaine. Les 52 semaines sont goupillées dans les 84 jours de la maman Anne. Oh, les 84 jours font le chiffre 12, les 12 mois de la semaine. Oh, les 12 mois de la semaine sont le remplaçant du Père, du Fils et du Saint-Esprit
qui font la trinité spirituelle, qui font le chiffre 12. Alléluia. Alléluia. C'est ça, rentrer dans le firmament spirituel de l'église du Christianisme céleste. Il faut connaître tout ça pour dire merde au diable. Oh, quand moi je regarde à Yire, on dit les gens sont sorciers. C'est les apprentis sorciers. Je veux que vous fassiez une sélection pour dire ouais, le lèvre quoi, quoi, peu quoi, ah, quoi, ça c'est le village de Yire. Voilà. Quel est le village le plus éloquent sorcier? Où il se trouve là-bas là? Il y a veillé là-bas. On va partir. Je vais leur dire. Vessieux moi, voilà celui qu'on appelle Zouzois Jean-Huriel. À cause de l'église qui j'avais céleste, aujourd'hui là, il a 8 orteils. Vous ne voyez pas ça? Ah, faut finir ici. 8. Voilà, j'ai 8 orteils, 8. À cause de l'église céleste. C'est ça, 8. Vous avez 10 fois, j'ai 8. Alors, puisque j'ai 8. Ça veut dire toi qui fais le combat, j'ai arrêté de bouger, moi j'ai pas parlé 8. Double combat, je t'ai fait que votre chose. Ça me voit un jour, lui je passais à la malaise. Dans le village, rempli du causier spirituel. Il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Bo Armand. Il dit, on dit que toi tu es céleste. Il dit oui, je suis céleste. Pourquoi tu dis on dit? Et toi tu ne le sais pas. Que moi, je sois Jean-Louis, je suis un peu céleste. Et puis, il dit, on dit que tu es céleste. Il m'a déjà insulté. Il dit, Dieu va te démontrer par A plus B. Je sais, c'est ce que tu te demandes. Il faut le démontrer. Si tu es un soldat, tu dis, tu es paralysé. Il va comprendre que tu es un peu céleste. Alléluia. Alléluia. Il dit, avant, tu ne sais pas que je suis un peu céleste. Tu as marché avec les deux pieds. Mais tu retourneras avec tes fesses. Parce que tes pieds n'auront plus maintenant la force pour Armand. Il te donne 300 pour rendre témoignage à l'éternel Dieu. Il est encore paralysé. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la bouche. Puisque tu as dit, si ça ne s'accomplit pas, c'est que moi je suis le déteste. Non, c'est ça non? Quand un gros masque, il dit que moi je suis venu dans le village, aucun autre masque ne doit danser. Et puis les masques rentrent et puis ils dansent. C'est que tu n'es pas gros. Il dit, bois, non, tu dois rentrer avec tes fesses. Mais quand je le lui disais, il dit, mais voici. Il dit, il va partir. Moi, j'ai pris ma moto, je suis allé à Petit Amsoko. Quand Jésus a appelé le sable, et puis il a mis sur l'aveugle, vous savez ce qu'il a fait d'élève, hein? C'est ça. Et là, c'est ça que tu dois savoir. Il y a ce qu'on dit en biblique. Il y a ce qu'ils te disent ici, 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 ici. Ici, c'est où? Alors, je suis parti. J'ai demandé les trois auteurs de l'église, Jérusalem, Jérusalem, des petits Amsoko. Et puis j'ai défié le diable dans mon lit. Les trois jours, il faut qu'il y ait un témoignage soir là-bas. Regardez comment les ténèbres. Pour son nom. Prosternez-vous devant moi avec les éléments sacrés. Troisième jour, il y a un monsieur qui dit, quand mon grand frère, c'est un chef du village, il dit au chef du village, il y a un petit qui est passé ici, avant-hier, il est insulté, mais il est là, mais il est là. J'avais son. Il y a un monsieur, il est en haut, il ne touche pas la terre, il est venu, il m'a fait comme ça. Et puis il m'a fait comme ça. À la pied gauche, pas à pied droit. Il m'a fait comme ça à la sol. Et puis je suis tombé. Mais j'ai pas pu marcher. Appelez-le. On me fait appel. La Bible dit, lorsque le diable ne vient pas, c'est pour la prière. Et n'y revient pas. Tu es un gars pour combattre. C'est pourquoi, au lieu de revenir à même année, je suis passé par la Dégué, passé par la Lobo, je suis revenu à Roi, je suis à Grand-Zadie. Je ne suis pas encore parti. J'ai dit qu'il faut que l'année 2023 passe pour qu'il rende témoignage. C'est le 17 janvier que j'irai à mon année pour dire
lève-toi mon fils. Crois-tu que je suis le test reste? Il m'a dit oui. Que Dieu nous bénisse. N'allez pas pour aller. N'allez pas à l'église pour la forme. Mais allez à l'église pour chercher la foi spirituelle. Pour être sauvé et pour sauver ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu nous bénisse. Où est ton témoignage? La Bible dit, dans Genèse 28, à partir du verset 20, il dit, si tu m'as couvert, si tu m'as protégé, si tu m'as, alors j'ai délégué cette maison appartient à Dieu et j'ai rempli la dîme de tout ce que tu m'as donné. Tu n'as pas mangé? Est-ce que tu marches nu? Est-ce que lorsque tu voyages, tu as fait accident? Est-ce que, alors cette maison est pour toi la maison de Dieu, envoie ta partie. C'est pourquoi lorsque un s'élève et puis il te dit, voilà une enveloppe, tu vas dire, non, je ne suis pas prêt. Dieu lui dira aussi qu'il n'est pas prêt pour trois points de suspension. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. Nous sommes en 51e semaine. À la 51e semaine, on doit se repentir. Ce soir, je dis bien ce soir, je lance un grand appel. Un appel très divin. Un appel qui va une convocation spirituelle. Si tu restes à ta maison, parce que à la montagne, c'est mon Sinaï, la grâce, il fait frais. Vous savez, montagne? Oui, il va faire frais. Donc, dis-moi pourquoi tu vas pas venir. Oh, dis à ton frère ou à ta soeur, ce soir là même, je vais voir comment Jésus va être né. Alors, la maman là, elle est à l'hôpital. On est en train de chercher d'où ils sont allés à Divo pour chercher le grand gynécologue et la grande, la major. Oh, la Bible dit que les matons qui étaient là avaient échoué. Et Marie a accouché très librement un petit enfant. Et les bébés regardaient cet enfant. Mais il y a 300 qui arrivaient. Méchants. Et ses compagnons, ils sont venus avec des dons. L'encens, le parfum, l'ami. Toi, tu viendras avec quoi ce soir? Chacun obligatoirement aura un parfum. C'est pourquoi ce culte-là, on va le goûter. Ce soir-là, je serai assis gaillardement comme Joseph, qui regardait avec étonnement son fils lorsque tout le monde venait rendre visite à son enfant, qui est né comme tout autre. Et dont le témoignage est sorti depuis l'Orient. Et les gens sont arrivés. Tu t'appelles Jésus. Ce soir-là, tu t'appelles Jésus. 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 Si tu es né, sache que tu es une mère qui t'a mis au monde. Rends-lui gloire. Sorti d'enfant. Aujourd'hui, a sorti. Si tu n'as pas donné le don à Jésus, comment voulez-vous que Dieu ouvre les portes pour que tu puisses travailler? Pour que tu puisses avoir un mari? Pour que tu puisses enfanter? Pour que tu puisses? Tu puisses et tu puisses faire ce que ton corps désire. C'est pourquoi, au-delà du parfum qui est exigé à l'église du thème céleste, que chacun doit arriver, ce que ton cœur trouve, mon cœur trouve quoi haut? Mon cœur trouve quoi haut? Oh? Mon cœur là, ça trouve quoi haut? Oh? Ça trouve quoi même? Vous voyez? Ça trouve quoi? Tu as eu beaucoup de clients à l'hôtel dans les Zaguis. Nous sommes aujourd'hui au 51e semaine. Ça trouve quoi haut? Oh? Ça trouve quoi haut? Oh? Ouais, ça trouve un carton de bougie. Ça trouve tout parfait. Ça, c'est le sacerdoce. Mais ça ne trouve pas pour la femme qui a accouché Jésus. Un complet de paille. Ça trouve quoi pour celui qui l'a enfanté pour que Jésus soit né? Un sac de riz. Acclamons le Seigneur.
bénisse. Il entrait. Il entrait, il disait quoi? Dans la maison. Oui. Il est petit enfant avec Marie. Si le petit enfant avec Marie. Sa mère. Se prosternait. Et adorait. Et il adorait. Il ouvrait. Ensuite, Il a offert. En présent de l'or. En présent comme cadeau. De l'enfant. Et de l'amour. Attends. De l'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce que Jésus est un roi et était aussi sacrificateur. Parce que Jésus était sacrificateur, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Donc il doit encenser l'autel là où il est assis. On lui donne l'ami. L'ami c'est quoi? C'est le parfum des grands prix. Ne m'amenez pas son moine de 500 francs ici. Ou bien cobra. Cobra c'est serpent. Parfum cobra. Le pied est dragon. Si je vois ça. Je casse. Mais vous devez m'envoyer de la nuit. Et lui et elle. Ah, c'est parfait. Lui et elle, ça coûte 5 500. Vous devez m'envoyer la loi de vie. Tu coûtes 5 000. Vous devez m'envoyer le sphère brillant. Ça coûte 10 100 francs. Vous devez m'envoyer le parfait en chauffard. Vous devez m'envoyer le sang de Jésus. Vous devez m'envoyer Steel Power. Vous devez m'envoyer les parfums à utiliser à l'église du Christ céleste. Vous devez m'envoyer Saint-Michel pour embaumer l'autel. Mais je vais arriver là-bas. Hein, on dit il y a Cobra 500 ce soir. Et puis vos parfums que vous achetez qui sont noirs. Les parfums à couverture noire. Souvent, je suis assis devant le trône, je vais pétiner ça. Ça cause que je suis venu ici aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si Amen. Amen. Il peut faire Amen. Amen.